c'est reparti avec Poupoule et moi-même pour un nouveau temps qui fera. Et donc j'aurais voulu vous dire que j'ai reçu de nombreux courriers. Donc j'en ai pris un au hasard que je vais vous énumérer. Sûrement un courrier de fan qui m'écrit à Poupoule et à moi-même. Donc je vais ouvrir mon courrier. Mystère. Alors, cher poule, c'est moi. Ton émission est trop nulle. J'ai bien perdu mon temps avec ton émission, c'est de la merde. Vis en ermite, tu feras moins chez le monde. Signé, droiture le bon chemin. Alors, bon, c'est la démocratie, chacun a le droit de donner son avis. Je suis pas du tout fâché, hein. Chacun dit ce qu'il pense, et ça m'a pas énervé du tout. Donc, on va passer maintenant à la météo. Hein, tu vois, hein. Donc, le temps, ma carte, mes nouveaux nuages qui se sont placés dans le nord. Donc, on aura un temps plutôt, faut pas vous fier au soleil qui sont là, parce que bon, ça va être un petit peu beaucoup nuageux demain. Hein. Donc, le lendemain du printemps, donc on va pas être bien gâté. Donc beaucoup de nuages, à savoir une perturbation qui va arriver de l'ouest, qui va arriver dans le sud, sud-sud-ouest, qui apportera de la pluie. Donc on risque d'être arrosé jusqu'en limite de Bourgogne. Le reste restera un petit peu ensoleillé. Ce sera pas trop mal dans l'ensemble, hein. On n'aura pas un week-end trop pourri. Donc, ma carte de l'après-midi. Donc, le nord restera assez ensoleillé. Quant à la moitié sud, ce sera assez nuageux. Et à prévoir à des pluies assez conséquentes au nord des Pyrénées. Sinon, dans l'ensemble, ça restera un peu comme ce qu'on a connu ces deux derniers jours, à savoir du nuageux, voire un peu de pluie. Mais dans l'ensemble, ça se tient bien. Hein. On n'a pas trop à se plaindre. On est quand même le mois de mars. Hein. Bon. Bon, sinon, je voulais dire. Pour le courrier, vous n'êtes pas obligé de m'envoyer des avis que positifs. Mais ce que je voudrais dire, moi et Poupoule, c'est qu'on essaye de faire une émission sympa. Hein, et voilà, on s'est donné à fond et qu'on nous critique comme ça. Hein, je veux pas qu'on n'est pas du tout énervé, hein, mais